You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Ah, if you live or if you die. God damn the pusher. Un joli point de vue sur les gorges de la Dourbie. Ici, c'est un super joli canyon, c'est mon oncle Tarn, mais ça va se jeter dans le Tarn justement après, à Millau, au niveau de Millau justement, qui est à 10 km par là. Là-bas en bas, là c'est le camping où je viens de passer de nuit. Très 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 mignonne petite vallée. Là du coup on a le Cosnoir, et on est vraiment du coup à la... C'est le début des Cévennes en fait, après qui vont par là-bas. Là-bas, il y a le mont Aigoual, justement, hein, qui est un des plus hauts sommets des Cévennes, où il y a les sources de l'Hérault, notamment. Faut que je fasse gaffe à ne pas tomber, parce que là, c'est un peu la falaise. Hier soir, là, j'étais dans les failles de Canalette. Là, c'est une super belle forêt en mode brocéliande du sud, par là-bas. Là. Très, très, très beau aussi. Et là, bah, c'est le Larzac. Techniquement, là, je suis sur le cause du Larzac. D'ailleurs, les bordures du Causse, là, c'est bien falaise. Et donc, ouais, sur ce célèbre Causse, là, où il y a, là, pas très loin, là-bas, à 5 km, il y a le fameux camp militaire, en fait, qui avait pour projet d'agrandir. Donc, c'est là où il y a eu cette grande lutte dans les années 70, 74 à 81, la résistance. Et je vais passer, justement, là, après, par tous les villages et les fermes qui ont été les avant-postes de cette lutte, dont la mémoire est encore vivante. Je suis à Morédon, un des villages épicentres de la lutte du Larzac dans les années 70, où il y a pas mal d'anciens de la résistance entre guillemets qui se sont installés. Et là, juste au-dessus du village, il y a un super beau point de vue qui va vers le nord, vers les gorges du Tarn, le Cosnoir, les gorges du Tarn, le Causse de Sauveterre. Et alors c'est rigolo parce qu'on voit, si j'arrive à bien zoomer dessus, on voit le chaos de Montpellier-le-Vieux, où j'étais il y a deux jours, juste là. Puis derrière, on voit les gorges du Tarn et de la Jonque, là. Où, je ne sais pas si on voit bien avec le zoom. On voit là-bas l'espèce, une double falaise et la triangulation. C'est la confluence du Tarn et de la Jonque. Puis par là, on regarde vers le Cosnoir, et puis derrière le Cosméjean, vers la Lozère. Puis là, espèce de mini Montpellier-le-Vieux là, juste en face là. Ça c'est toujours ces paysages des Causses, hein. Puis derrière du coup bah, les immensités du Larzac. Le militaire il est là. Il y a une conférence là, je vais y aller. Point de vue et panorama à 360 degrés sur le Larzac, au-dessus de cette magnifique maison en pierre sèche. Alors là-bas, vous regardez globalement vers l'ouest et c'est rigolo, on peut voir un des pylônes en fait, du viaduc de Millau qui dépasse de là-bas. Là, vous avez des magnifiques
paysage de steppe pierreuse, c'est très 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 beau. Là-bas, du coup, Millau est dans le Creux. Là, vous avez les gorges de la Taupie et puis en arrière-plan, les gorges du Tarn. Là, plutôt vers l'est, là, on peut voir les contreforts du Mont Aigoual. Et voilà, ça, c'est vraiment le début des Cévennes. Et là, du coup, vous avez le village de la Biaquère, qui a vraiment une histoire très importante dans la lutte du Larzac, hein, puisque ce fut un peu le poste avancé de la résistance des 70, puisqu'en gros, le camp militaire est derrière. Au fond, là, on peut le voir un petit peu. Et en fait, le projet d'extension, ça visait à étendre le camp sur tout le nord du Larzac, en fait, donc toute cette région qu'on voit là. Et donc, il y a une centaine de familles, en fait, qui se sont mobilisées, qui ont refusé l'expropriation. Et je vous montrais, en fait, la bergerie qui a été construite avec l'aide de milliers de personnes là-bas, qui était vraiment la résistance en dur, en fait, contre ce projet. Beaucoup d'histoires, effectivement, dans ce magnifique hameau de village de la Blaquière, où il y a vraiment des magnifiques maisons de pierre sèche. Et puis là, voilà, vous avez vu vers devant la bergerie de la Blaquière, qui est une magnifique bergerie, qui est immense et qui est surtout vraiment un lieu de patrimoine et de mémoire de la lutte qu'il y a eu sur le Larzac. Parce qu'en gros, le camp militaire est là-bas, il devait s'agrandir et aller sur tout le nord. Et voilà, au début des années 70, il y a une centaine de familles qui refusent l'expropriation. Et ça commence à prendre de l'importance et il y a des milliers de personnes qui vont venir. Et en 73, en fait, il construit cette énorme bergerie et qui vraiment vient un peu incarner en dur, en fait, la résistance. Hein. Elle est complètement illégale, hein. Il n'y avait ni permis de construire, elle est financée via un refus de l'impôt. Et alors, il y a vraiment des milliers de personnes qui sont venues de toute la France, des paysans d'ici, mais aussi des ouvriers, des étudiants, et chacun a amené un peu, entre guillemets, sa pierre à l'édifice. Là, c'est vraiment l'expression qui prend tout son sens. Ça, par exemple, cette pierre-là, là, elle vient de la cathédrale d'Orléans. Et puis, bah, tout le long du mur, là, il y a plein de pierres, en fait, avec des qui sont signées, de Bretagne, de Vendée. Puis il y en a aussi un peu plus symboliques. Là, partout aussi en haut, il y a écrit dans toutes les langues « L'humanité détruira les armements ». Là, vous voyez, il y a « Servir le peuple ». C'est rigolo aussi, là, il y a un symbole de la paix. Et puis il y a aussi le canard enchaîné, notamment, qui avait soutenu la lutte, et du coup ils ont il y a une brebis, il y a un canard justement qui viennent malicieusement rappeler leur aide. Là aussi, voilà, là il y a la brebis, et puis là vous avez les travailleurs et les syndicats.
voyez, ce genre de lieu, ça a l'air de rien, mais moi, ça me fascine. C'est vraiment des petits témoignages comme ça du génie de l'architecture de pierre sèche qu'ils ont développé sur l'Écosse. Parce que c'était ici, en fait. Maintenant, ça s'est un peu reboisé, mais à l'époque, il y avait très très peu d'arbres et ils étaient très précieux. Et en fait, ils pouvaient pas trop utiliser, ils n'avaient pas trop de bois pour faire de la charpente et tout. Donc en fait, tout était fait en pierre, en fait, en pierre calcaire, hein, qui est l'Écosse, c'est des plateaux calcaires. Et d'où un génie et un savoir-faire vraiment de tout construire en pierre. Et là, vous voyez, on peut voir la voûte, comment elle est faite. En fait, ça, voilà, ça a été empilé et il y a une clé de voûte et ça repose là. Et ça, faut imaginer en fait le travail et ouais, le savoir-faire que ça demande en fait de construire un truc comme ça. Donc ça, c'est une petite bergerie. Et sur les Causses, il y en a beaucoup comme ça. On appelle ça un jas. En occitan. Vous voyez, c'est très très gros en plus. Hein. Et des fois, il y en a des plus petites qui servent aussi à s'abriter pour les bergers qui sont un peu s'abriter des intempéries. Et puis, pareil, hein, le toit, à nouveau, c'est du calcaire, hein, des lozes en fait, mais en calcaire.